Hey, salut tout le monde, c'est Strax et bienvenue dans ce 22e épisode de la série Strax Megabuzz. Donc, dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre fonderie d'acier. Comme vous pouvez le voir, la construction est terminée. Il me manque plus que quelques modules de vitesse. Là, ça doit être à peu près 200, je pense, parce qu'il y a également les modules de vitesse. De la pierre qui sont pris en compte, donc je vais récupérer tous ces modules. On va aller à notre fonderie d'acier et on va brancher tout ça et envoyer nos premières barres d'acier dans la base de départ afin que la recherche puisse reprendre de manière convenable. Alors on aura sûrement besoin d'une autre mine de fer. Parce que comment je l'ai configuré cette fonderie d'acier, tout ce qui est en bas va produire de l'acier. Donc là c'est 48 fonderies. Et tout ce qui est en haut va produire du fer, des plaques de fer. Les plaques de fer vont être transportées ici et l'acier va ensuite être transporté ici. Qui fait que bah, on va pas mal taper dans nos mines de fer. Il y en a que une, deux. Et je pense que ce sera pas suffisant pour nourrir à la fois ces fonderies et ces fonderies. Il va me falloir au moins 4 stations de... enfin, au moins 2 stations de plus, donc 4 stations en tout. Je pensais aller récupérer éventuellement celle-là. Là, je sais pas. Possible. Ma méga base va continuer par ici. Et celui-là, je pense que si je vais le récupérer, ça risque d'être gênant. Je vais pas pouvoir construire par là. Mais bon, je vais voir. Au pire, je la démantèlerai après, hein. C'est pas si grave. Mais en tout cas, j'ai trois patchs de fer à venir chercher ici, ici et ici. Donc, je vais les récupérer. Alors, tout ce qui nous manque, c'est des émetteurs d'eau constante. Donc ça va être exactement les mêmes, des émetteurs de constante qui demandent du minerai de fer. Donc celui-là, c'est pour celui-là. Et également celui-là. Et la sortie et l'entrée, donc ça c'était la sortie, là où on fournit les plaques de fer, et là c'est en entrée. Donc là, on va demander le minerai de fer. Et de la même manière, il vient ici. Donc des trains de 14 qui demandent du minerai de fer. Parfait. On va connecter ça. J'ai oublié de connecter l'autre. Il y a déjà un arrêt qui est programmé. Il y a déjà un train qui est programmé. Celui-là, quand on aura l'acier. Et celui-là, ici. Ok. On va juste regarder. Tout se passe bien. Bon, normalement, il n'y a pas de raison. Alors, notre train qui est parti chercher le fer, il est venu ici. Donc là, ma méga base est bien, bien à l'arrêt. Parce que là, tout ce que j'utilise en fait, ce sont des modules. J'ai ma recherche qui est bloquée parce que j'ai plus de sciences spatiales. Ah, et j'ai oublié aussi de vous montrer. Alors, on a les trains, ok. Et donc, ici, on a du fer qui est fait. Et lui, il a aucun chemin d'accès pour repartir. Et ici, on a bien de l'acier qui est fabriqué, d'accord. Alors lui, pourquoi il a aucun chemin d'accès? J'ai dû... Ah oui, il manque une bonne partie de... du plan. Et ça, pourquoi?
pas construit. Ah oui, j'ai pas dû le prendre. Ok, donc le train il repart. Et j'ai plein de choses qui sont construites alors qu'elles ne le devraient pas. Je crois que pour l'autre fonderie d'acier, c'est bon. Par contre, je suis allé. Ouais, je suis allé jusqu'en bas. Ok, et on commence à avoir de l'acier. Formidable. On a 1100 aciers. Donc ça va beaucoup moins vite de créer de l'acier, bien sûr, que du fer. Ce qui fait qu'il faudra probablement que j'en monte bah, deux autres en haut ici. Histoire d'avoir quatre fonderies, pareil dès le départ. Donc ce que je voulais faire. Ah oui. Déjà, c'était marqué sur la map qu'ici on fait de l'acier. Comme ça. Et comme ça. Ok, et on va repartir. Dans notre base de départ, et on va demander de l'acier. On va aller à Gare Omni. Et donc oui, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que j'ai encore agrandi mon territoire dans la base de départ, de manière à pouvoir construire d'autres panneaux solaires qui sont déjà... Donc il y a ces deux-là qui sont presque terminés de construire, celui-là également, encore celui-là qui est en cours de construction. Donc j'ai rajouté une station ici, je vais marquer les noms des stations. Ça c'est l'expansion au sud et ça c'est la troisième station solaire, donc c'est là que vient se déposer tout le matériel. Et du matériel qui va en avoir de moins en moins d'ailleurs, puisque oui, tout ça ça demande de l'acier, et l'acier, donc voilà, ça c'est le genre de situation quand on crée des panneaux solaires qui se produit, c'est-à-dire que la satisfaction d'acier n'est pas du tout au rendez-vous. D'où mon besoin de ramener de l'acier finalement de la mégabase jusqu'à ma base de départ. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer la recherche. Donc je vais relancer des fusées, des satellites. Et donc les satellites également, ils consomment bien sûr de l'acier. Avec les modules, les structures de faible densité. Et donc ça, je vais pouvoir le supprimer, plus besoin de le stocker. Je vais en avoir à arriver directement dans mon réseau logistique. Ok, donc on va en créer un autre qui lui va demander de... Enfin, qui va récupérer du réseau logistique ce qu'il y a comme acier. 10 000, 15 000, 30 000 aciers, et il va l'envoyer ici et s'additionner avec la demande que je vais faire en acier. Donc je vais demander moins 50 000 pour ne pas changer. Et donc ce qui arrive aujourd'hui, c'est là, il arrive du cuivre pour l'instant. Je vais mettre une autre zone de stockage par mesure de précaution. J'ai pas envie de me retrouver avec un stockage qui soit plein. Voilà. Comme ça. Et donc l'idée maintenant, ça va être de reprendre ce setup-là dans les coffres. Parce que là, c'est pas de la brique que je vais demander ici, mais de l'acier. La demande, ça va être 600 aciers. Copie-colle. On va raccorder ça au courant, hop, comme ça. Prend ça. «
Voilà, donc on est prêt à enrichir notre bus avec de l'acier qui viendra du réseau logistique. Alors quel est le train qui doit venir maintenant? C'est toujours le cuivre, il est toujours pas arrivé. D'accord. Donc je vais aller enlever le bras robotisé là-haut qui récupère de l'acier. D'ailleurs, il y a tous les robots qui sont en train de d'aller le chercher et de l'amener en bas. Ça fait un peu une boucle. Très utile. Ceux-là ils sont vides, ceux-là pareil. Et on va reprendre le lancement automatique avec cargaison de nos fusées. Notre science spatiale qui arrive et donc qui va être amenée jusqu'ici par les robots logistiques. Ce qui fait que ma productivité minière va reprendre. Éventuellement, ce que je vais faire, c'est. J'ai vu dans un commentaire une chose, c'est vrai que j'ai pas du tout utilisé les trains d'artillerie et j'ai même pas fait la recherche en fait. Donc je vais éventuellement rechercher l'artillerie parce que honnêtement bah, je l'ai jamais utilisé en fait. J'ai vu des vidéos, ça a l'air cool, mais je suis pas sûr que ce soit super adapté en fait à mon besoin. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose pour du Death World ou ce genre de choses. Alors, pas de station qui fournit des plaques d'acier trouvées. Donc j'ai lancé la recherche d'artillerie et donc ouais, mes plaques d'acier mettent du temps à se créer. Une plaque d'acier en même temps, ouais, c'est quoi? C'est 17 secondes. Donc forcément, ça va assez lentement. Là, j'en ai que 5000. Ici, j'en ai 10 000. J'en viens à me demander si je devrais pas doubler ça, en fait. Faire quelque chose d'un peu plus large. Le problème c'est que mes robots après vont être un peu éparpillés. Bon, pour l'instant je vais laisser ça tourner comme ça et comme j'ai prévu quand même de la place, bon pas ici mais je pourrais toujours agrandir ici par exemple pour celui-ci. Faire une fonderie plus grande, je vais voir, parce qu'il faut toujours attendre un petit peu que les choses se stabilisent pour voir. Si je regarde par exemple à 10 minutes ou à 1 heure ma production d'acier, juste ça, donc on voit qu'elle est augmentée de manière exponentielle. Ma consommation d'acier elle va pas bouger quoi. Donc là j'en produis maintenant. J'en produis 3000 par minute et j'en consomme 1000 par minute de l'acier. Ce qui fait que j'en produis toujours plus que ce que je consomme. Pour mes besoins actuels, c'est correct. Alors, par contre, quand on sera à un niveau méga base, ça suffira peut-être plus. Donc, est-ce qu'on a reçu de l'acier? Non, toujours pas. Je pense que c'est le prochain. Non, bah non. Oui, c'est vrai. L'acier est pas. Se produit pas assez vite. Donc, ce que je pense que je vais faire pour le reste de l'épisode, c'est que je vais aller créer une station de. Alors que je mette ça par exemple là, ouais. Je vais créer une station de fer. Pour aller récupérer plus de fer parce que je pense que là ça suffira pas pour fournir toutes mes fonderies. Donc on va aller où est-ce qu'elle est mon patch de fer le plus proche que j'aimerais bien exploiter.
Ah, bah celui-là. Celui-là me paraît bien. Donc je vais aller à cette station temporaire, là, William Langdon. On va se créer une station supplémentaire de fer. Et celle-là, il est possible que je la fasse avec un double chargement. C'est-à-dire que là, cette station, et ça se charge que d'un côté. Et comme on voit ici, elle est à l'arrêt. Je pourrais éventuellement faire une deuxième station, par exemple, ici, mais je suis pas sûr d'avoir la place là. Oh, quoi que si je me mets à peu près là et que je fais venir comme ça, ouais, je devrais avoir la place de faire une deuxième station. Parce que bon, là c'est un peu dommage, c'est du minerai. Bon, il en reste 62 millions, mais du minerai qui est pas. Enfin, qui est utilisé. Il peut y avoir qu'un train à la fois ici qui vient chercher les minerais. Et pour l'instant, mes robots ils travaillent pas finalement. Ils amènent pas de minerai ici. Alors, ouais, les foreuses elles continuent de travailler, mais ça va durer qu'un temps. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est valable ou pas de mettre une deuxième station. À la droite. Peut-être quelque chose que je vais essayer et puis voir ce que ça donne. Donc là, ouais, les trains, ils vont bien attaquer mes ressources de fer, hein. 56 millions ici contre 63 quand j'ai commencé à l'exploiter. 62 contre 66. Donc ouais, ces deux nouvelles fonderies vont bien attaquer mon fer. L'intérêt. Alors la question c'est que je vais être obligé de faire passer mes trains qui vont chercher le fer par ici parce que ces lignes là sont réservées à mes trains 2, 5, 2 et je veux pas mélanger. En fait, je veux que les trains de minerai aient leur circuit dédié, leur réseau dédié. Du coup, je vais repartir d'en bas. Il va me falloir quelques remblais probablement. C'est même sûr, je sais pas pourquoi je dis probablement. Tout ça là, voilà. En fait, ça c'est mes lignes pour mes trains de minerai, mes longs trains. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire faire une courbe comme ça. Il y en a 23 millions, c'est pas suffisant, je pense. Et je vais faire une courbe comme ça et la faire venir ici. Alors, faut que je fasse attention, je voudrais pas. Je pense pas que ma méga base ira beaucoup plus loin que ça. En tout cas, je n'espère pas. Mais dans tous les cas, il sera toujours temps de démanteler la station après. Donc, on va créer une ligne à 4 voies par ici. Et que faudrait que je mette mes rails environ ici. Une station temporaire pour faire venir train de remblai. Le rail s'appelle Stop Kiss. Mes remblais, hop, vous venez à Stop Kiss. Il s'appelait juste Kiss. Oui, il s'appelait Stop Kiss. Ok, voyons voir. Et... Ah, d'accord. Comment il s'appelle? Ah, Quiz. Ok, donc tu viens là et on va remblayer toute cette flotte. J'ai pas reçu d'autres alertes pendant les plaques d'acier not found. Est-ce que j'en ai? Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas.
c'est du fer qui arrive. Ok. Donc, comme d'habitude, on va se mettre un coffre ici. Et on va vider tout l'inventaire. On va avoir un maximum de place. Et on va prendre ça. J'ai laissé tomber mes robots, du coup je peux plus défoncer les arbres. Ok, ça devrait être suffisant, je pense. Juste ce patch là. Très bien, et voyons voir. Donc si si je veux faire venir 4 voies. Je vais la faire passer à peu près par ici pour faire une bifurcation là et créer une station. Donc il faut que je reste par ici. Tac. Je crée des lignes ici. Ça devrait faire le job. On va y voir. De remblai juste là. Et ici aussi d'ailleurs, hop. Et j'ai plus de rails. Alors on va appeler le train d'expansion. On va lui dire de venir à Quiz lui aussi. C'est ma bagnole. Et du coup, si je prends curve, voilà, quelque chose comme ça, très bien. Ouais. Pour pas d'acier. Eh ben, ça met vraiment du temps. Je pensais pas que ça prendrait aussi longtemps. Il y a combien ici? 16 000. Et là, ah non, il y en a. Il y a déjà un train qui est parti alors. Je sais pas s'il est déjà arrivé. Ouais, il est déjà arrivé. Il vient juste d'arriver. Donc voilà, on a une pleine ligne d'acier. Et on a notre production de viande violette qui est complètement satisfaite là. Donc maintenant, qu'est-ce qui manque? Curieusement, c'est la science rouge et... la science bleue, c'est toutes les autres sciences en fait qui... Donc là on arrive un petit peu aux limites hein, de ce que va pouvoir faire la base de départ. Les recherches suivantes ça va être fourni par la méga base. Ouais.
Il est là notre train, ouais, il est là. Hop. Eh ben, voilà, on a notre recherche d'artillerie qui est terminée. Et on va continuer. Je vais prendre la vitesse des robots ouvriers. La vitesse des robots ouvriers. Pour bien d'avoir des robots qui travaillent un peu plus vite. C'est en manuel, tu vas continuer. Ah, j'ai pas laissé de mur ici en remplacement. Un autre coffre. On va poser tout le matos, on va prendre ça, poser ça par exemple, voilà. Et on prend la voiture. On charge le coffre. Et je vais peut-être pas avoir assez de remblai. Voyons voir, est-ce que je peux l'agrandir plus? Ça devrait le faire. Good. Continue. Laisser mon matos là. Ah bah non. Je reprenne au moins les rails, les feux, etc. Et mes robots, combien j'en ai là? J'en ai pas beaucoup. Hop là. Oui, comme ça. Oups. Là. Du remblai. Plus de rails. Plus de rails, plus de rails. Et de toute façon, je pense que je vais bientôt plus avoir de remblai non plus. Oula, c'est loin. C'est loin, c'est loin. On aurait le train de l'expansion pour revenir. Qu'est-ce qui me manque ici? Ah oui, des lampes. Donc, on va prendre ça.
Et des rails. Et des feux. Manuel. J'y vais doucement pour qu'il m'installe mes lampes. Et on est déjà à 30 minutes d'épisode. Ok, je pense pas que je vais pouvoir. Même sûr que je vais pas pouvoir monter la station de fer dans cet épisode. Je vais m'arrêter là. Et je vais continuer à remblayer et à pousser le chemin jusqu'à la station et on fera ça ensemble dans le prochain épisode. Donc comme d'habitude, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous aura servi. Et je vous dis à la prochaine. Salut.